princesse dit au prince, je suis allergique au médecin, mais je suis un prince, alors je suis allergique au prince. Je vais mettre un petit poids sous 20 matelas et 9 édredons. Ça c'est drôle ça. Elles peuvent se chamailler et puis non mais moi je veux manger ça, non mais moi je veux ça. Puis de toute façon c'est mon prince, c'est moi qui vais me marier avec lui. Non c'est moi. Et elles se battent. Et après ça va. Et après lui il les laisse se battre et il s'enfuit en cachette quoi. Et après comment? Après c'est fini? Et après oui, après c'est fini. Mais déjà il y a tout ça à écrire déjà. Ouais. Et maintenant il va falloir rentrer dans l'action et entre le prince et les princesses. Super, je vais enfin rencontrer une vraie princesse. Quelle est l'adresse? Ah, j'ai trouvé. C'est 35 Matnen d'eau de rue. Ok, donc vous, votre mission aujourd'hui, ça va être de tout remettre au propre. Ok, ça vous va ça? Oui. Vous travaillez là-dessus aujourd'hui? Oui. Super. Le prince des cendres. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Je suis une princesse, je me nomme Pauline de la Cour. Génial, dit le prince des fées, des siamoises. Venez, on va vous montrer quelque chose, le prince. D'accord. Bon, regarde cette magnifique croix de bichon. La joyeuse qui dit regarde cette magnifique crotte de pigeon. Pourquoi? Donc ça au moins c'est clair, on a planté le tableau. Maintenant il va falloir avancer dans... Voilà. Tu garderas pas ça au montage hein. Super. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on commence? On s'échauffe. Très bien, alors on prend tout l'espace, tout le plateau. On inspire et on bloque la respiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous pouvez lâcher. Pendant la Seconde Guerre mondiale, qui débarquaient de vos bateaux, les pieds dans l'eau avec vos fusils, qui essayaient de marcher d'abord dans l'eau puis ensuite dans le sable. Pas un exercice facile. Cet exercice-là, il sert à ce que vous preniez conscience de votre corps. Et donc, quand on fait au ralenti, on se rend compte qu'il est important. Et les expressions du visage aussi. Ok. Maintenant, on va faire un exercice d'improvisation. Parce qu'on va imaginer qu'on est au marché. On va y aller un par un. D'accord. Ok, ça va. Tenez. Combien d'euros? 500 euros.